toute façon, on ne peut pas faire pire. C'est ce qu'on a fait. Durant la mi-temps du match France-Argentine, alors que l'équipe de France était menée 2-0, Deschamps puis Kylian Mbappé ont pris tour à tour la parole. Nous vous mettons un petit extrait du discours de Deschamps. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Puis après, ce fut le tour de Kylian Mbappé qui a utilisé les mots durs pour revigorer ses coéquipiers. De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. On a pu constater qu'au retour des vestiaires, les Bleus étaient transfigurés, comme quoi les discours de mi-temps de Kylian Mbappé et de Deschamps ont eu un effet bénéfique sur les joueurs de l'équipe de France. Pensez-vous que Mbappé peut devenir le nouveau boss du vestiaire des Bleus? Nous attendons vos réponses en commentaire.